C'est moi, Sophie. Mais Jean-Paul, mais qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Et voilà, vous avez dévoilé mon nom. Ça fait une semaine que je suis en immersion totale ici à Bergamo. Même moi, j'avais oublié mon patronyme, alors. Mais Jean-Paul, mais vous n'êtes pas au courant? Et de quoi? Mais l'opération 4 chez 1000 a été annulée. Ma marraine Katie est responsable du bureau d'infiltration et je n'ai pas été prévenue, alors là... Jean-Paul, regardez. On a reçu une... Évidemment, monsieur Laurent Jacques joue les lointains, alors. Ma chère Sophie Olmich, mon cher Jean-Paul Lugiani, l'opération 4 chez 1000 est annulée, oui. Nous activons dès aujourd'hui l'opération Bergamo ne répond plus. Émile vient de nous informer qu'il vendra l'article au plus offrant à la fin du mois. Toute la rédaction compte sur vous et attend votre papier avec impatience. Eh ouais. L'avenir du journal repose sur vos épaules. Allez hop, au travail. Signé votre rédacteur en chef, Laurent Jacques. On est le combien aujourd'hui? On est le 24, Jean-Paul. Bon, alors le 24, ça nous fait in fine deux jours. Un jour pour l'édition, un jour pour la diffusion dans le monde. Bon, ça fait 48 heures de travail, quoi. C'est jouable. Salut, j'ai pensé à vous. Ah, attendez, mais c'est mon argentique. Et lui, s'il pouvait raconter des choses. Ah, vous allez voir, c'est très confortable. On a même le temps de manger une glace, alors. Non, mais enfin, Jean-Paul! Nous nous retrouvions donc, Sophie et moi, avec un nouveau défi, que dis-je? Un véritable challenge. Écrire un papier original et pertinent sur cette belle cité de Bergamo en seulement 48 heures. Alors bien sûr, nous ne partions pas de zéro dans cette aventure journalistique. Nous possédions tous deux une grande connaissance livresque de cette cité médiévale. Mais pour gagner du temps, nous avions quand même commencé par une visite éclair de tous les lieux emblématiques de Bergamo afin de sélectionner en amont les points que nous allions ensuite développer. C'était une manière de structurer notre pensée avec pragmatisme et efficacité. Vous savez, certains auteurs arguent que la créativité vient au fur et à mesure de la découverte. Moi, je pense sincèrement que cette manière de présenter les choses est en réalité une façon de cacher l'absence de travail en amont. J'ai moi-même, dans ma longue carrière, souvent parlé de l'œil neuf de l'auteur pour masquer une ignorance totale du sujet. Mais là, l'urgence nous obligeait à l'efficacité. Je savais au fond de moi-même que nous allions exceller dans cet exercice. Le principal atout de Bergamo est d'avoir conservé une grande partie de ses charmes du Moyen-Âge. Des édifices, des remparts, des tours et un plan d'ensemble typiquement médiéval. Eh bien, c'est cela que nous devions mettre en exergue dans notre article, bien plus encore que l'histoire de la ville. Parce que ce qui fait l'identité de Bergamo aujourd'hui, eh bien, c'est son patrimoine unique resté inchangé depuis des siècles. Bergamo est une fenêtre sur le passé qui se dévoile dans la brume au bout de cette longue plaine de Lombardie, un peu comme un rêve. Elle, dont le profil très vertical, presque aérien, lui dessine une silhouette inoubliable. Notre article devait rendre compte de cette poésie-là et être totalement placé sous une évocation romantique. Il faut dire que Bergamo avait séduit d'illustres visiteurs avant nous, à commencer par Stendhal, qui ne tarissait pas d'éloges sur la beauté de la ville. Nous devions laisser le charme opérer et ressentir dans nos âmes toute la délicatesse de cette ambiance faussement austère. À l'inverse de bien des cités médiévales, Bergamo n'était en rien écrasé par ses vieilles murailles. En plus, j'observais ce ruban défensif qui entourait la ville et je pensais qu'il forme en réalité
une très belle ornementation. Jean-Paul, vous voulez pas changer d'angle ? Un peu plus à droite, non ? Soyez aimable, Sophie. Je vous ai demandé juste 30 secondes. C'est excellent, Sophie. Mais Jean-Paul, mais ça fait 2 heures que je veux vous dire qu'on détient le début de l'article. Évidemment, Sophie, on entre toujours par une porte. Bon, redevenons sérieux. Regardez cette photo. Bon, c'est de l'argentique. C'est toute l'histoire du bâti ancien, vous voyez, du Moyen-Âge. Ça, c'est moi. Et vous, alors avec votre plume, vous allez nous raconter l'histoire de Bergamo au XIIe siècle. Voilà. Mais Jean-Paul, je ne veux pas moi écrire toute seule l'article. Sophie, toute la rédaction n'a Dieu que pour nous. Enfin, que pour vous, puisque c'est vous qui allez signer en bas de l'article, vous allez mettre votre nom. Alors... Mais vous êtes incroyable. Sophie, dans le cadre de cette opération, intitulée « Bergamo ne répond plus », il n'y a que 2 options possibles. Soit nous réussissons cette mission, nous sauvons le journal, parce que tout le monde attend notre article. Et à ce moment-là, nous sommes reçus par toute la rédaction, par notre rédacteur en chef, qui va nous couvrir de louanges, de fleurs. Moi, je ferai un discours et puis j'irai voir le... Ben oui. J'irai voir le président même et je lui dirai combien notre métier a besoin d'être soutenu et combien je suis honoré de recevoir cette décoration. Oui, oui. Soit, seconde option, cet article est un échec et ben, vous en porterez la responsabilité, c'est vous qui l'avez signé. Alors. Mais Jean-Paul ! Sophie, mais faites-moi confiance, je vous assure. Essayez vraiment d'être avec moi. Imaginez Émile, notre concurrent. Il a un regard sur l'histoire, sur le passé de chirurgical, froid. Et il met les faits l'un après l'autre comme des wagons. Ça n'a pas d'âme. Vous êtes sûr ? Mais bien sûr. Nous, au contraire, moi, je vais faire un travail d'introspection. Je vais vous raconter l'histoire de Bergamo au XIIe siècle, comment on arrivait par cette porte blanche, vous voyez, que seuls les visiteurs qui arrivaient de Milan pouvaient voir, ce marbre blanc. Puis on évoquera les Apennins qui sont derrière nous, la ville basse, on mettra des anecdotes. Et puis tenez, regardez. Ça n'existait pas au XIIe siècle. Ici, il y avait, d'abord, il n'y avait pas cette passerelle, il y avait 2 ponts-levis. Deux grilles en fer forgé. Et tout cela était fermé à partir de 22h le soir. Ah bon ? On ne pouvait pas se balader là le soir. Les balades en amoureux étaient interdites. C'était interdit. Bon, je ne vous dis pas que dans ma vie, je n'ai pas contourné certains couvre-feux pour des histoires d'amour. Enfin, on ne pouvait plus entrer, on ne pouvait plus sortir. Jean-Paul, regardez. Le cartouche. Saint-Marc représenté sous la forme du lion ailé. Pax tibi, marce evangelista meus. Paix à toi, Marc, mon évangéliste. Hic requisest corpus tuum. Qu'est-ce que vous dites ? Je reprends votre phrase. Que la paix soit sur toi, Marc, mon évangéliste, ici ton corps reposera. Sachez que lorsque Marc est venu évangéliser la région, il a débarqué à Venise. Et là, un ange de Dieu lui est apparu et lui a dit « Que la paix soit sur toi, Marc, mon évangéliste. Un jour, tu reposeras ici, à Venise. » Eh bien, figurez-vous, c'était prémonitoire, mais c'est le cas.
Mais c'est une belle histoire, ça, Jean-Paul. Il faut le noter dans l'article. Évidemment. Mais Jean-Paul, enfin ! Sophie, mettez vos pas dans les miens. Je serai votre voix dans le désert. Voilà. Mais racontez-moi, je veux savoir. Mais Sophie, des Saint-Marc, il y en a partout dans Bergamo. Ah avec bon les lions, là. Mais oui, vous savez, c'est une très longue histoire. C'est vrai que c'est une très longue histoire que celle de cette cité de Bergamo. Une longue histoire qui débuta bien avant que les murs de la ville ne se parent du lion de Saint-Marc. Marc qui débuta son évangile par la voix qui résonne dans le désert, tel le rugissement d'un lion fort et courageux. La ville de Bergamo fut probablement fondée par les Celtes dans des temps très reculés. À l'époque romaine, la cité prit une importance stratégique au carrefour des voies commerciales entre la botte italienne et les territoires au nord des Alpes. Plus tard, la ville passa sous différentes dominations seigneuriales. Et puis, au XIe siècle, elle sortit de la féodalité, à l'instar d'autres cités italiennes. Elle se dota alors d'une administration d'élus choisie parmi les plus riches de ses citoyens. Au XIVe siècle, cette administration accepta, un peu contrainte, de se placer sous la protection des ducs de Milan. Au XVe siècle, la ville bascula sous le giron de la République de Venise. À cette époque, la cité va s'embellir de ses plus riches monuments, devenant en quelque sorte la vitrine de Venise aux confins occidentaux de son territoire. Eh bien voilà, en quelques mots, en quelques lignes, l'essentiel de cette histoire mouvementée qui, dans le détail, compte de nombreuses batailles, des famines, des épidémies, mais dont il convient surtout de retenir l'irrésistible ascension d'un bourg médiéval, bon, assez classique, devenu une cité resplendissante où la richesse du patrimoine artistique est le véritable témoignage d'une grande prospérité. C'est vraiment extraordinaire. C'est fou ce qu'ils arrivaient à faire au Moyen-Âge. Oui, Sophie, je trouve qu'on devrait commencer par cette basilique romane. Parce qu'à mon avis, pour l'entame de l'article, c'est le meilleur choix, c'est le plus beau monument de la ville. Alors, si vous le dites. Mais oui, oui, je vous assure. Regardez. Les lions rouges, c'est du marbre de Vérone. À l'opposé, vous avez des lions blancs. C'est les mêmes, hein. Mais c'est du marbre du Piémont. Et les porches, celui-là et celui qui est à l'opposé, ont été rajoutés au XIVe siècle. Alors, c'est dire. Encore des lions, Jean-Paul. Ils ont un rapport avec Venise. Ils figurent même sur leur étendard. Et c'est certain, il faut le souligner dans l'article, qu'ils rendent hommage à Saint-Marc qui a évangélisé la Vénitie. Saint-Marc est le saint patron de Venise. Il est figuré lui-même sous la forme du lion, d'où l'emblème. Sophie, avec Bergamo, Venise, les lions, San Marco, il faut être très prudent dans l'article. Parce qu'en fait, il faut raconter l'histoire. Au IXe siècle, il y a à Alexandrie un souverain musulman qui décide de se faire bâtir un palais fastueux. Alors, il ordonne qu'on démantèle les églises, qu'on prenne les marbres des églises catholiques pour son palais. Des hommes d'église, des prêtres, vont récupérer in extremis la dépouille de San Marco. Ils vont l'offrir à des commerçants vénitiens. Les vénitiens vont envoyer des estafettes dans la baie de Venise pour dire « Attention, sur la lagune, préparez-vous à accueillir San Marco ». Donc on va le célébrer lorsqu'il arrive, on va placer les restes de San Marco dans la chapelle ducale. Ça, c'est la légende. Maintenant, revenons à ces lions. En fait, ces lions-là, ils sont d'inspiration byzantine. Parce que Bergamo, dans son histoire, elle a eu plusieurs dominations. Au XIVe siècle, l'époque de ces lions, c'est un artiste lombard qui a son atelier ici qui fabrique ces lions, Giovanni da Campione. Nous sommes dans la période milanaise. Ce n'est qu'au XVe siècle
que, évidemment, Bergamo va épouser Venise, toujours avec le même statut particulier. Donc ceux-là, ben, ils n'ont pas de rapport avec Venise. Et vous savez, mon cher Jean-Paul, j'ai lu dans un guide que cette église a été érigée au XIIe siècle pour rendre hommage à la Sainte Madone qui avait réussi à arrêter la famine, la terrible famine qui sévissait dans les campagnes et qui avait créé de nombreux morts. Mais dans le fond, c'est pas étonnant. Parce que ici, ça a été bâti d'abord sur un lieu de culte, c'était un temple romain à l'origine. Donc les gens venaient déjà prier. Mais on a toujours prié dans cette basilique. On a prié pour repousser la famine, mais surtout la peste. Parce qu'au XIIe siècle, il y a une épidémie de peste qui va frapper la région. Elle arrive par la lagune de Venise. On va invoquer la Vierge Marie, c'est l'usage ici, et Bergamo ne sera pas touché par la peste. Ça, c'est étonnant. Hein, on va visiter l'intérieur. Regardez comme c'est curieux. C'est étrange. Ouais, ça c'est vraiment important, on devrait le mettre dans l'article, parce que là, il y a un intérêt réel, c'est même visuel. Regardez Sophie, ce sont des unités de mesure. Le brachium, 53,1 cm. Et là, vous avez le cavezzo, 2,63 m. C'était très pratique pour les commerçants. C'était malin, les acheteurs pouvaient vérifier si la longueur de tissu qu'on leur vendait était la bonne. C'est un peu le pavillon de Sèvres à Bergamo, voilà, c'est le mètre étalon. 2,63 m, ça tombe bien, c'est ma taille. Alors ça, Jean-Paul, je vais le noter dans l'article. 2,63 m. L'intérieur de la basilique tranche littéralement avec le bâtiment médiéval assez austère. Il mélange avec élégance les époques, s'inspirant tantôt du gothique, tantôt du baroque, dans un style toujours soigné et savamment travaillé pour offrir aux fidèles eh bien, l'impression d'un luxe sans pareil. Piliers cannelés, colonnades torsadées, plaquages de stuc, sculptures et dorures s'entremêlent pour renforcer cette impression d'opulence. Autour de nous, des chefs-d'œuvre artistiques de toutes les époques rehaussent les murs des chapelles latérales. Je m'arrêtais un instant devant une magnifique tapisserie flamande du XVIIe siècle représentant la crucifixion dans un style qui rappelait l'école de Rubens. J'admirais d'autres toiles des XVIIIe et XIXe siècles. Soudain, mon regard s'arrêta sur un pan de mur presque caché, entièrement couvert de fresques du XIIIe siècle, où figurait une représentation de la scène, une évocation de l'histoire de Sant'Eligio, la Vierge et l'Enfant Jésus, et d'autres personnages encore mystérieux. Malgré des coloris un peu passés, cette fresque possédait tous les charmes d'un art byzantin un peu naïf et très épuré. À vrai dire, je ne savais plus où donner de la tête, tant cette basilique aux dimensions assez modestes en réalité, mais tout en verticalité, renfermait une multitude de trésors aussi variés qu'inattendus. Avouez, Sophie, que ça change de l'extérieur. On a en façade l'austérité romane, et puis alors ici, on a partout du gothique.
Et la Renaissance est passée par Bergame, Jean-Paul. Moi, j'aime beaucoup le contraste. Regardez ces couleurs flamboyantes, ces dorures, ces tapisseries, ces toiles. Ça va donner du peps dans l'article. C'est ça qu'il nous fallait, Jean-Paul. Et cette marqueterie, elle est de toute beauté. Regardez le cœur. Jean-Paul Émile ne serait jamais venu ici pour faire des clichés. Et pourquoi ? Il aurait photographié des lions à l'extérieur. Mais Sophie, c'est pas important de les photographier à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous savez, ce qui est important, c'est le regard de l'artiste. Vous voyez, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, là. Justement, Jean-Paul, en parlant de regard, il est temps de travailler, déguiser un peu votre regard artistique, votre talent inné, votre œil acéré. Inspirez-vous, épatez-moi. Allez. Alors que je me demandais comment j'allais pouvoir épater Sophie, je remarquais juste derrière les bancs du presbytère une marqueterie originale au thème universel, le déluge. Elle avait été réalisée à partir d'un dessin de l'immense Lorenzo Lotto, l'un des plus grands maîtres de l'école vénitienne. Preuve, une fois de plus, de l'infinie richesse de cette basilique médiévale à la façade si commune. Qu'est-ce qu'il y a qui vous fait rire, Sophie ? Ben, c'est mes photos, hein. Ben, c'est l'œil de l'artiste, Sophie, hein. Enfin, écoutez, Sophie, si nous unissons votre talent et mon talent, eh bien, nous allons sortir un très bel article, croyez-moi. Oui, vous verrez. On sera même honorés. Effectivement, vos photos sont très artistiques, Jean-Paul. Mais elles seront nécessaires dans le papier. Là, il faut qu'on s'attelle à ça. Il faut parler de cette chapelle. Bon, alors on peut dire que cette chapelle a été rajoutée au XVe siècle, au moment de la Renaissance. Et c'est un mausolée, c'est une chapelle funéraire, en fait. Effectivement, vous l'avez dit, cette chapelle a été édifiée au XVe siècle pour abriter les sépultures des Colleones. Et quand on la regarde, on se rend bien compte qu'on avait probablement affaire à une des familles les plus riches et nobles, bien sûr, de Bergame. Ça, oui. En fait, il faut remonter le temps. Au XIIe siècle, il y avait un comte ici qui était particulièrement injuste. Les Bergamesques ont chassé ce comte. Et ils ont installé une famille, la famille Colleone, qui a eu tout pouvoir administratif et politique autour de ce statut particulier de Bergamo. Puis au fil du temps, eh bien, les Colleone ont épousé des causes milanaises, puis au XVe siècle, eh bien, Venise. Et puis Bartolomeo Colleone, il a laissé son nom dans l'histoire militaire parce que c'est le premier qui a osé utiliser l'artillerie, les bombardes, non pas contre des fortifications, mais dans un combat de fantassins contre fantassins. Ça, c'était vraiment inédit à l'époque. En tout cas, Jean-Paul, on pourra préciser dans l'article qu'elle est vraiment magnifique avec ses marbres polychromes. Et regardez, ces logis à colonnades, ça vous fait pas penser à Venise ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est magnifique. Oui.
Vous avez remarqué le blason des Colleone? Qu'est-ce que c'est? Les trois virgules? Ce sont des testicules. Des testicules? Oui. Mais Jean-Paul, qui aurait eu l'idée de faire figurer des testicules sur un blason? Alors, il faut que je vous explique. En fait, le vrai nom de Colleone, c'est Cuglione, qui veut dire couille. Le père de Bartolomeo Colleone a décidé de changer de nom. Ils sont devenus donc les Colleone. Mais Bartolomeo Colleone a voulu rappeler l'histoire. Il n'est pas revenu à l'ancien nom. Mais il a voulu rajouter trois testicules sur son blason pour rappeler ce nom. Il est possible que c'est un rapport avec son immense pouvoir de séduction. Enfin, trois testicules, c'est quand même un peu présomptueux, Jean-Paul. Ça, il n'est pas exclu qu'il ait souffert d'une malformation et qu'il en ait eu trois. Hein. Ah bon? Ben ouais. Je vais aller voir à l'intérieur. Bartolomeo Colleone était un orgueilleux qui rêvait d'accomplir une grande entreprise selon ses propres dires. Né dans une famille de l'aristocratie citadine, il souffrait de ne posséder ni seigneurie ni titre de noblesse. Formé aux arts de la guerre, il ambitionnait de prendre le commandement de la toute puissante armée de Venise. Il avait ainsi fait de son patronyme une fierté et il arborait non sans arrogance les trois paires de testicules sur son blason avec, il faut le dire, un réalisme accru au fil du temps. Figurez-vous que ce qui aurait pu être un sobriquet était devenu un véritable cri de guerre. Celui d'un homme ambitieux né dans un trop petit état et qui rêvait de grandeur. Bon, ben, notre article avançait, mais il nous fallait encore arpenter toutes ces ruelles pour y dénicher d'improbables trésors habilement dissimulés au regard des passants. Il faut dire que Bergamo est un vrai labyrinthe de ruelles étroites et sinueuses formant une vaste toile d'araignée dont les fils seraient tous reliés à un centre névralgique où trônent les principaux bâtiments publics de la ville. Tandis que j'usais mes semelles sur les pavés de toutes ces ruelles, je sentais l'ombre de Saint Alexandre, le saint patron de la ville, peser sur mes vieilles épaules de journaliste comme un lourd fardeau. Saint Alexandre dont la légende raconte qu'il aurait été décapité pour avoir refusé de passer au fil de l'épée d'innocents chrétiens. Lui dont la statue dorée trône au sommet de Bergamo, semblant défier du regard l'horizon en direction de Milan et des autres états ennemis de Venise. Ben vous voyez, Sophie, ici, on est sur la partie la plus ancienne de la ville. Cette place, elle est très ancienne puisqu'elle reprend le dessin parfait de l'ancien forum romain. Et là, la fontaine, eh bien, elle date, elle, du XVIIIe siècle. Mais c'est vraiment la plus moderne de l'endroit. Hein. Ce qui est magique ici, Jean-Paul, c'est qu'on dirait que le temps s'est arrêté il y a fort longtemps. C'est presque plus médiéval que ciel. Je m'attendrais presque à voir surgir des gardes ou des marchands habillés à la mode du XIIIe siècle. Là, pour l'article, ça va être parfait. Hein. Sophie, j'ai l'impression que vous êtes tombée sous le charme de Bergamo. Hein. Oui. Alors, regardez. En face de vous, vous avez l'illustration de l'histoire de Bergamo. Ici, plus ou moins, tout est dans son jus, intact depuis le XIIIe siècle, hormis la fontaine qui date du XVIIIe. Mais là, en face, vous avez l'illustration parfaite de l'histoire d'une autonomie. Bergamo, au XIIe siècle, s'est révolté contre un comte qui oppressait la population. Bergamo est devenue quasi indépendante. Et au XIIe siècle, le palais de l'indépendance, le palais du pouvoir, ben le voici, vous l'avez face à vous. C'est vrai que ce palais semble être l'un des plus anciens de cette place. Avec peut-être la tour en haut qui surgit à droite des toits. Et puis regardez,
Le lion ailé, l'emblème de Venise, c'est sans marque. Ah oui, il est beau ce cartouche. Hein. Mais sous le cartouche, de chaque côté, vous avez deux fenêtres en ogive. Eh bien, les murs ont été percés au 15e siècle. Ça, c'est plus récent. Et puis, là-bas, vous avez un escalier couvert. Lui aussi date du 15e siècle. Et puis, autour de nous, les maisons ont commencé à être modernisées au 15e siècle aussi. Vous savez, Jean-Paul, j'ai lu dans un guide qu'on pouvait monter tout en haut de cette tour. Je suis sûre qu'il y a une vue magnifique. Sophie, on va pas y monter quand même. Hein? Voilà, on est très bien ici. Voilà. Mais oui, mais vous savez, cette tour, elle est très bien, mais... historiquement, on peut raconter ça dans l'article en restant au sol. Elle date du 11e siècle. Voilà, on l'appelle Il Campanone, parce que tous les soirs à 22h, vous avez la grosse cloche qui est au sommet, qui marque le temps et qui indique aux Bergamesques qu'il ne faut pas quitter la ville et qu'il ne faut pas y entrer aussi. Les Bergamesques, c'est joli. Oui, Bergamesques, c'était leur nom. Et cette tour, Jean-Paul, il faudra le notifier dans l'article, elle est très importante parce que c'était de là-haut qu'étaient proclamées au peuple les décisions de la commune les plus importantes. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on y monte, Jean-Paul. Non, écoutez, Sophie, on ne va pas y monter. Parce que, vous savez, dans ma vie, je suis monté au sommet des baobabs, je suis monté au sommet des palmiers dattiers dans le désert algérien, mais je ne monterai pas au sommet de cette tour. Vraiment, non, 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 Sophie, non. Eh bien, Le Corbusier, lui, il est monté, Jean-Paul. Il a gravi les 300 marches, une par une, et quand il est arrivé en haut, il s'est exclamé que c'était la plus belle place qu'il avait jamais vue en Italie et que toucher à une seule de ces pierres aurait été un crime. Bon, évidemment, si Le Corbusier l'a dit, alors en plus, au Campanone, il vous donne raison. Alors... C'est une tour vraiment très importante, Jean-Paul. Elle est vraiment caractéristique de ce qu'était la cité au 11e et au 12e siècle. Et je pense qu'il faut vraiment préciser dans notre article comment était agencé l'espace urbain. Il y avait dans chaque quartier des tours. Ces tours étaient habitées par des grandes familles, des familles nobles qui régnaient sur ces quartiers. Il y en avait probablement des dizaines. C'était très courant à l'époque à Florence, notamment il y en avait 167. Celle-ci, Jean-Paul, a été érigée au 11e siècle, à l'époque où Bergame était indépendante. Ensuite, Bergame est passée sous le contrôle des Visconti de Milan au 14e siècle et sous le contrôle de la République de Venise au 15e siècle. Et quand les Vénitiens sont arrivés ici, ils ont décidé qu'elles étaient un petit peu désuètes, ces tours. Et donc, ils en ont détruit une partie. Ils préféraient vivre dans des palais plutôt cossus. Voilà, c'était les Vénitiens. Bon, remarquez, ce que vous évoquez, ben, c'est l'histoire de l'Italie, des villes italiennes. Oui. Parce qu'elles se constituaient comment? Vous avez des familles qui prenaient possession de quartiers. Chacune érigeait sa tour. Et puis au fil du temps, il y avait des unités politiques, des unions politiques, même des unions sentimentales, il y avait des mariages. Et ça forgeait petit à petit eh bien, une force politique et militaire. Et c'est ainsi que Bergamo est devenu, au XVe siècle, le rempart occidental par rapport à Milan, de la République de Venise. Voilà l'histoire. Cette tour est vraiment importante, Jean-Paul. Les Vénitiens ont bien fait de la conserver. Elle servait donc à l'exercice du pouvoir. Vous pensez qu'on en aura assez dans notre article? Ouais. Sophie, on a la basilique Santa Maria Maggiore, on a plein de photos, on a plein de notes. Et puis, vous voyez, là, je vais vous faire les photos des lions du 18e. Mais j'aime les lions. Alors évidemment, c'est pas les plus anciens, mais moi j'aime. Cet article va devenir un Barnum des lions. Voilà. Oui. Mais ça me plaît. Alors. Il est beau celui-là, Jean-Paul. Oui, mais j'en ai un qui est pas mal aussi là. Magnifique. C'est de l'argentique, hein, mais c'est beau quand même. Hein. Ouais. Voilà. Et encore plus beau qu'en vrai, alors. Je ne sais pas si en définitive, notre article comptera beaucoup de lions, même s'ils sont nombreux dans cette cité italienne.
À vrai dire, je m'étais sur le moment emparé de ces nobles fauves pour détourner Sophie de ses folles envies d'escalade parce que je n'avais nullement l'intention de gravir sous un soleil de plomb les 300 marches de cette tour de pierre, même si de là-haut, la vue est imprenable. Il faut savoir rester humble devant l'âge de ses artères et de ses membres, enfin. Et puis entre nous, ce n'est pas vue du ciel que Bergamo est la plus resplendissante, non. Les vues d'en haut ont tendance à écraser le bâti, alors que Bergamo est au contraire une ville très élancée, légère, verticale. C'est depuis le sol que le spectacle est le plus enivrant, lorsque le regard suit les architectures jusque dans les brumes, dans un élan ascensionnel si puissant qu'il finit par vous étourdir de vertige, voilà. Je continuais donc mon reportage photographique, cherchant au mieux à rendre compte de cette verticalité des architectures qui donne à l'ensemble l'aspect irréel d'une ville prête à s'envoler. Je travaillais l'œil de l'artiste, imperturbable, sachant pertinemment que le temps nous était compté et qu'il nous fallait intégrer la notion de rendement à nos aspirations artistiques. Mais Sophie avait décidé de me martyriser, voilà. Et moi, pauvre homme, pauvre confrère, délicat et sensible, je me laissais faire. Mais Jean-Paul, mais remettez-vous! Vous êtes tout cassé! Est-ce que vous avez un peu d'eau, Sophie, s'il vous plaît? Non, pas d'eau, Jean-Paul, non. Écoutez, Sophie, si vous avez décidé... Vous avez conclu un pacte secret pour me faire mourir à Bergamo. Eh bien, dites-le, comme ça c'est fait, tout le monde le saura dans ma famille. Ouais. Oui, enfin, Jean-Paul, si vous étiez venu quelques années avant, vous serez mort. Oh, alors là, Sophie, je vous préviens, il en faut un peu plus pour briser un roc. Enfin, pourquoi vous me dites ça à moi ? La tour a été raccourcie, Jean-Paul. Elle a menacé de s'effondrer à la fin du 19e siècle. L'architecte en charge de sa restauration l'a rabaissée d'une bonne douzaine de mètres, la rabaissant ainsi de 64 à 52 mètres. Mais heureusement. Hein. Il y a une belle vue quand même, hein, d'ici. Mais je me disais qu'on aurait pu aller à la tour Campanone. Et je suis sûre que la vue est meilleure, Jean-Paul. Sophie, je vous préviens, je n'ai pas grimpé 300 marches au péril de ma vie pour aller dans une autre tour pour y laisser mon système cardiaque. Non. 263, Jean-Paul, je vous le rappelle qu'elle a été raccourcie. Attendez, je vais immortaliser ce moment. Alors, comme c'est drôle, vraiment. Bougez pas. Et en plus, moi, je prends la pause. Regardez-vous. Regardez le spectacle. Ben évidemment, j'ai 115 ans sur la photo, alors... Jean-Paul, on n'a plus de pellicule. Comment il n'y a plus de pellicule? Oh, il n'y a plus de pellicule du tout, hein. Bon, c'est pas grave, vous redescendez les chercher. Ah, Sophie, alors là, je vous préviens, je ne redescends pas chercher des pellicules, je ne repars pas sur presque 300 marches. Non, non et non, hein. Est-ce que moi, j'ai oublié mon carnet ? Jean-Paul. Et est-ce que vous avez votre stylo ? Ce
c'est vous qui l'avez. Non, 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 vous n'avez pas mes pellicules, je n'ai pas votre stylo, Sophie, voilà, voilà. C'est eh oui. Bon, je crois que j'ai une pellicule. Pardon? J'ai une pellicule. Sophie, faites-moi confiance. Bon, c'est vrai que c'est très beau ici. Merci, Sophie. Merci. Non, mais c'est beau, hein? Magnifique. Ouais. Jean. C'est pur, là, l'air, hein? Mais oui, Bergamo est une très jolie ville. Nous l'avions parcourue en long et en large, et même en hauteur, jusqu'à une forme d'indigestion. Maintenant, il nous fallait sortir des sentiers battus pour construire un épilogue à la hauteur de notre style inimitable. Le succès de notre article en dépendait. Je décidai alors de nous extirper du tissu urbain pour gagner la campagne avoisinante. Il y avait à quelques kilomètres de là un vaste domaine absent des circuits touristiques, alors même qu'il était en réalité le prolongement de la charmante cité médiévale de Bergamo. J'y emmenais Sophie, persuadée que le lieu pourrait offrir une merveilleuse conclusion à cette aventure en terre bergamesque. Un dénouement inédit et tout à fait original. Le lieu, c'était un château, mais pas un château ordinaire. C'était la forteresse de Bartolomeo Colleoni. L'orgueilleux condottiere qui se rêvait noble avait acheté dans la plaine tout un domaine abandonné de plus de 300 hectares pour se bâtir un fief. Ce vieux domaine était couvert de bois, de friches. Il intégrait les ruines d'un bourg déserté ainsi que celles d'une fortification dévastée par les guerres. Bartolomeo Colleoni redonna vie à l'ensemble. Il fit venir une population paysanne pour travailler la terre. Il fit de son château, nouvellement bâti, une véritable résidence princière. Ce n'était pas à Bergamo, ville étroite et austère, qu'il recevait le beau monde, mais dans son fief de Malpaga, où il prétendait rivaliser avec les nobles de son temps. Comme les grands acteurs des cours européennes de l'époque, Bartolomeo Colleoni affichait sa grandeur à coups de mécénat, invitant les artistes les plus connus à venir travailler pour lui à l'embellissement de ce qu'il considérait être un palais fortifié. Regardez, Sophie, on est dans la cour centrale du château de Bartolomeo Colleoni, le château de Malpaga. Vous imaginez, ici, il y avait des artistes lombards qui venaient, des aristocrates aussi. Il était entouré de sa cour. Il régnait ici en maître, en souverain. Incroyable. C'était un peu son petit Versailles. En beaucoup plus champêtre, hein, quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait acheté 350 hectares de bois, de nature totalement vierge. Alors, il organisait des banquets, des chasses, des jeux grandeur nature. Et déjà, à l'époque, on ne consommait que des produits du terroir, du local. Voilà. Alors, je suis désolé, mais Émile, quel que soit le papier qu'il aura commis, et je ne sais à qui, il ne pourra pas nous doubler dans cette histoire-là. Voilà, parce que, évidemment, il y a de quoi écrire un livre aussi. Oh. Oui, 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 il finira aux oubliettes de Bartolomeo, Léon, Émile, oh, comme ça. Jean-Paul. Mais oui, mais oui. Allez, venez, en attendant, on va chercher d'autres éléments pour notre article. C'est magnifique, regardez. C'est peinture. Ça devait être agréable, la vie à l'époque des colonnes. Ah ben oui, c'est sûr. Et puis, l'homme était rusé. Et avec Émile, je l'ai été aussi, figurez-vous. Voilà. Ah ben, dis. Jean-Paul.
Dans son château de Malpaga, Bartolomeo Colleone passa les 15 dernières années de sa vie à jouer au seigneur. Même s'il n'avait pas totalement renoncé à cette glorieuse entreprise à laquelle il aspirait, il se savait devenu vieux, usé. Il avait tout de même réussi à s'élever socialement. René d'Anjou, roi d'Aragon, lui avait même octroyé le droit d'ajouter à son blason les fleurs de lys angevines d'or sur champ d'azur. Il était très fier de ses nouvelles armes, tout comme il était très fier de se voir considéré par les nobles de son temps. Il mourut dans son lit à près de 80 ans, riche et entouré de ses gens, mais sans descendance. Il avait perdu son unique fille quelques années auparavant. J'ai eu un coup de fil de la rédaction. Laurent Jacques m'a appelé. Laurent Jacques. Bon alors, qu'est-ce qu'il a dit? Sophie, qu'est-ce qu'il a dit? L'opération Bergame, Jean-Paul, c'est un vrai succès! Les photos de nos voyages, c'est de l'argentique. Mais Jean-Paul, après tout ce que je viens de vous dire, c'est tout ce que ça vous fait? Mais Jean-Paul, notre article va être tiré à des millions d'exemplaires. On va même pouvoir choisir notre destination. Tenez, l'Afrique du Sud. On n'est jamais allé en Afrique du Sud. Et le Japon, le Mont Fuji. Jean-Paul! Écoutez, Sophie, au début de notre aventure, vous avez douté. Non, j'ai pas douté. Oui, vous avez douté. Mais c'est normal, dans le fond. Et puis, au fur et à mesure des voyages, vous avez montré de plus en plus de rigueur, d'opiniâtreté, d'audace, de professionnalisme. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Vous allez être certainement nommée rédactrice en chef. Rédactrice en chef? Ouais. Moi, Sophie Olmich, rédactrice en chef? Ouais. Bah, et vous, Jean-Paul? Je n'exclus pas un ministère. Ah bon? Mais Jean-Paul, nos collaborations, notre travail, nos aventures. Souvenez-vous, Sophie, toutes ces villes qu'on a parcourues ensemble. Mmh. Rome, Firenze, Napoli, Capri, Syracuse, Palerme. C'est vrai que ça a été une aventure humaine. Hein? Et aujourd'hui, eh ben, c'est vrai qu'on est, riche, vous, de galons, de rédactrice en chef, moi, sans doute, ministre. Mais vous savez, tous ces honneurs, c'est pas ça qui forge une aventure et qui forge un esprit d'équipe comme le nôtre. On est plus riche aujourd'hui qu'hier. D'ailleurs, ce sera ma dernière leçon. Vous voyez ce que nous vivons là? Eh bien, c'est ce qui va faire de vous une grande Sophie, je vous assure. Mais Jean-Paul! Allez Sophie, vous n'allez pas rester comme ça ici, là. Allez, venez. Vous savez ce qu'on dit, hein? Après le ministère, la présidence. Oui. Et puis je vais vous dire une chose. Le Mont Fuji, c'est plus que c'était. Voilà. Oui, oui. Je vous reconnais bien, là, Jean-Paul. Oui, mais ça a beaucoup changé. Allez, on y va. Il est vrai que le timbre de ma voix était moins assuré qu'à l'habitude. Mais que voulez-vous? J'avais accueilli Sophie, débutante, mal à l'aise et empruntée, et puis je l'ai vue s'épanouir tout au long de ce périple, de Rome sur la Via Appia à Bergamo, en passant par Syracuse et ses gourmandises, Palerme et sa chapelle palatine, Napoli et ses pizzas, Capri et une vieille histoire d'amour,
Florence et les Médicis, Milan et son duché. Oui, Sophie était devenue au fil de ses découvertes une vraie chroniqueuse à la perspicacité aiguisée et je me sentais fier d'avoir su modestement l'accompagner dans cet apprentissage. Oui, fier et ému aussi. Maintenant, elle allait prendre son envol vers les hautes sphères de la rédaction. Alors, j'imagine qu'elle gardera quelque part au coin de sa mémoire l'image de ce vieil instructeur, un peu bougon, qui lui a passé le témoin. En tout cas, c'est sûr, j'allais pour ma part conserver précieusement cette merveilleuse aventure au fond de mon cœur, au milieu de tous ces moments magiques qui ont construit mon existence et qui ont fait ce que je suis. Ciao Bergamo. Ciao Sophie. Thank you.